Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dernier dimanche de l'année liturgique, nous contemplons le Christ comme roi de l'univers. Depuis le trône de la croix, Jésus manifeste sa royauté et sa puissance par la miséricorde de l'amour. Dans la règle Saint-Benoît, nous invite à nous mettre au service du Christ, Seigneur, le vrai roi. Ouvrons nos cœurs pour répandir, pour accueillir un roi humble, serviteur de tous, qui ne désire que notre bien. Je confesse à Dieu puissant.
Dieu éternel et tout puissant, tu as voulu récapituler les choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans crainte ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. C'est par un
aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est à lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri?
Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais en malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront. Ceci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Tellement insignifiant, mineur. Qu'en est
est-il pour lui d'un quelconque pouvoir, d'une quelconque portée pour les royaumes de la terre? Vous vous rappelez la réflexion de Staline au pape de l'époque, le Vatican, combien de divisions? Non. Il est bien sûr que le don du Christ pour l'humanité promet un tout autre royaume que ceux de la terre. D'ailleurs, il est intéressant de voir comment, dans la Bible, cette question de l'avènement d'une royauté dans le peuple d'Israël a fait énormément de problèmes. En fait, Dieu ne voulait pas tellement qu'il y ait un roi en Israël. Et si j'accorde le fait qu'il y ait un roi en Israël, je sais que ça va tourner mal. Il va y avoir un esprit de conquête, un esprit de force, un esprit de pouvoir. Et puis finalement, Dieu cède. Et il y aura un roi, et pas des moindres, puisque finalement ce sera le roi David et toute sa lignée qui vont accéder au pouvoir et qui seront effectivement très conquérants. C'est vrai que, en considérant aujourd'hui les conflits qui bouleversent cette terre où le peuple d'Israël s'est installé il y a très longtemps, mais qui appartient aussi aux populations de Palestine, et quand on voit la tension extrême qui se joue pour gagner la place sur cette terre, on se pose la question de savoir où est donc le message biblique. En tout cas, Jésus n'a pas suivi cette proposition d'un royaume de pouvoir, de force et de puissance à gagner sur les autres. Il s'est présenté comme un pauvre. Il s'est présenté comme un pauvre en humanité pour rejoindre tous ceux qui, pauvres avec lui, étaient capables de laisser surgir au plus fort de leur humanité un élan de justice et de paix qui dépasse toutes les bonnes volontés humaines. Les pauvres, ceux qui sont à la marge, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ont une voix tellement précieuse pour l'avenir de l'humanité. Il nous raconte l'histoire de l'amour comme étant le moteur de notre humanité. Si l'on veut, en Christ, gagner la perspective de la divinité, c'est par ce moteur-là que nous devons l'acquérir. Le moteur intime de l'amour est cela seul qui nous meut positivement. Et lorsqu'on lit l'évangile d'aujourd'hui, cette conclusion du grand dernier discours de Jésus, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'entretenir avec le Christ une relation éthérée, spirituelle ou quelque chose, c'est du concret. Ce pauvre qui est là, ce prisonnier qui est là, cet étranger qui est là, je reconnais que c'est le Christ qui a le visage de Dieu. Et je rejoins avec lui la source profonde de l'amour qui habite notre humanité. Et en rejoignant cette source, je déclenche en quelque sorte une étincelle, j'allume quelque chose, et je me laisse allumer aussi par cette expérience. Et dans cette force de l'amour, alors, un tout autre royaume que ceux de la terre advient en notre monde. C'est là la plus grande révolution. C'est là la plus grande perspective. Et si nous n'y croyons pas, le malheur est tellement grand
d'en rester simplement une promesse terrestre. Bien sûr, cette flamme qui s'allume au plus profond de nous va nous donner à gérer, à gouverner, à prendre en compte les questions de la terre, mais dans une toute autre perspective que celle de vouloir gagner du terrain sur les autres. Il s'agit d'un royaume qui est celui des béatitudes, aussi scandaleuse soit-elle. Heureux les pauvres, ceux qui ont au cœur du pauvre, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux. Heureux ceux qui sont capables de pleurer. Heureux ceux qui ont un cœur qui se laisse toucher. Miséricorde, c'est ce que ça veut dire. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour ça, jusqu'à donner toute leur vie, comme le Christ l'a donné. Si nous sommes dans cette perspective, l'Église a de grands jours devant elle. Il n'y a pas de problème. C'est ça notre pratique. Être un chrétien pratiquant, c'est être un chrétien qui aime, qui se laisse toucher par la flamme de l'amour au plus creux de lui-même, la rencontrant au plus creux des autres. Et là, l'avenir est ouvert jusqu'à notre plein accomplissement en Dieu, partageant la divinité de Dieu, c'est-à-dire la totalité de l'expérience la plus essentielle. Alors, en cette fin d'année liturgique, laissons-nous rejoindre par cet élan intérieur. Travaillons-le, ne nous laissons jamais surprendre par une espèce d'illusion, d'endormissement, comme on le lit dans l'Évangile. Mais quand nous t'avons vu avoir soif, quand nous t'avons vu avoir faim, quand nous t'avons vu étranger, ne soyons pas aveuglés. Le Christ est là. Il nous tend la main, il nous appelle. Rencontrons-le. C'est là notre avenir. Soyons dans la joie. Lumière, 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 l
Église, chargée d'annoncer la joyeuse bonne nouvelle de l'Évangile de la miséricorde à tous les peuples, prions le Christ, témoin fidèle de la vérité, pour qu'advienne son règne de grâce et de sainteté. Seigneur, la peur de mourir, le désir de tout maîtriser, rendent l'être humain violent. Que ta tendresse pour ton troupeau prenne place dans les cœurs de nos dirigeants. Prions le Christ souverain des rois de la terre pour qu'advienne son règne de justice et de paix. Pour ceux qui cherchent à bâtir un monde de solidarité et ceux qui souffrent de l'exclusion, de la précarité. Prions le Christ, roi humilié sur la croix, pour qu'advienne son règne d'amour et de partage. Pour tous rassemblés ce matin, pour tous ceux que nous côtoyons dans le quotidien. Prions le Christ, Alpha et Oméga de toutes choses, pour qu'advienne son règne de vie et de communion. Thank you.
fils qui réconcilie toutes les gens de l'humain avec toi, nous te supplions, mon Seigneur, que ton fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sans plus délai, pardonnez ceci, pour qu'il y ait des liens.
De même, après le départ, il prit la coupe, en demandant à servir la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour toujours et pour la vérité, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes saints. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, notre Dieu. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Mm-hmm.
Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, venez-vous bien. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.